scrap. Là, y est. Pacha est fou. Fifi est à côté de la caméra. oui, aujourd'hui, on va faire une vidéo scrap. Alors, ça va être un scrap comme que j'ai jamais fait. On va faire du storyline américain. Hop, on va déjà la mettre à terre. Storyline américain, donc c'est une façon de faire du scrap sur du A4. Voilà. Et donc ce sont des feuilles, je vais vous montrer. Alors, déjà, voilà, ça c'est mon paquet. Voilà, que moi j'avais trouvé sur Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que c'est là que je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'ailleurs. Je l'avais payé dans les 4 euros, enfin moins de 5 euros. Bon, sans compter les frais de port, bien sûr. Mais moins de 5 euros. Et les autres boutiques, j'ai vu qu'en moyenne, c'était entre 11, 12, 13 euros le paquet. Hop, garde tes fesses. Voilà, exactement les mêmes paquets. Voilà. Donc, du coup, je l'avais pris là. Et je n'avais pas encore utilisé. Et donc, je dis, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir donc, le storyline. Donc, dans ces paquets-là, on a... donc, voilà ce qu'on a. Vous avez déjà les pochettes avec. Donc c'est bien, au moins vous n'avez pas besoin de chercher après les pochettes. Et donc on a, alors c'est des pages qui font 21,6 sur 28. Il y a 36 pièces. Mais donc 36 pièces, c'est-à-dire qu'il y a 12 pochettes plastiques comme ceci. Et dans chaque pochette plastique, donc, ça, bon, voilà, c'est la pochette. Avec les trous. Donc après, quand je pourrais par la suite, j'achèterai le classeur pour pouvoir les ranger. Et donc voilà comment sont les feuilles de storyline pour scraper. Donc elles sont vierges, voilà, comme ça. Vous allez les scraper dessus. Alors ce qui est bien, c'est que là, bon, c'est écrit en anglais, hein, bien sûr, mais c'est rien. Vous faites votre petite légende. Donc where c'est où, what quoi, voilà, et wow c'est peut-être la date, je crois, je ne sais plus, il faut que je regarde. Voilà, mais enfin si vous faites votre légende, vous marquez ah wow c'est qui, je crois, oui, voilà, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Les anglophones là qui passent là par là, dites-le moi, WHO. Bon, je vais vérifier après avec mon traducteur, de toute façon. Donc, vous marquez qui, quoi, donc ce que c'est comme photo, par exemple, et où la photo a été prise. Et vous avez une deuxième, un autre petit ici. Donc, ça, vous pouvez le cacher si vous voulez. Hein. Moi, je vais le cacher, par contre. Vous pouvez y mettre la date. Donc, le jour, donc même le lundi, mardi, mercredi, vous pouvez le marquer. Donc, le jour en chiffres, le mois et l'année. Voilà. Le mois, ça, je vais le cacher. Donc, vous en avez deux par pochette. Donc, aujourd'hui, je vais en utiliser qu'une. Et donc, les pochettes sont comme ceci. Donc, pochette à 4, hein, toute simple. Voilà. Donc, ce qui fait que vous pouvez ranger deux pages de scrap dedans une fois qu'elles sont terminées. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Donc, je vous remontre le. Donc, c'est. Alors, la marque, c'est ID Swap. Et donc, c'est du Storyline. Donc, c'est ça, ça comprend, alors, 12 pochettes, c'est bien ce que je disais, et 24 pages. Voilà.
Donc ça, c'est une autre technique pour faire du scrap. Donc, si vous ne connaissez pas. Donc moi, je vais scraper sur cette page. Je vais scraper une très vieille photo. C'est une photo quand j'habitais à... Donc, en plus, elle est... Bon, elle est un peu usée sur le dessus, mais ça ne me gêne pas. Voilà, la photo que je vais scraper. Donc, moi, je ne suis pas dessus parce que c'est moi qui prends la photo. Donc, il y a mon chouchou, mon fils, ma belle-fille. Et là, une de mes petites filles, ce n'est pas leur enfant à eux, hein, c'est à ma... une petite fille à ma fille. Et ça me plaisait de scraper cette photo parce que ma petite fille, là, je ne la vois plus. Ni ses frères, ni ses sœurs, d'ailleurs. Donc, justement, ben, je vais scraper cette photo. Comme ça, ben, j'ai déjà scrapé des photos avec elle. Hein. J'en ai d'elle. Mais là, bon, j'avais envie de la scraper aussi. Pour aujourd'hui, pour vous montrer le storyline, comment c'était. Voilà. Donc, j'ai peut-être recoupé un peu la photo parce qu'elle est un peu grande. Donc là, cette photo avait été prise sur la Croisette, à Cannes. Voilà, là où j'habitais. Moi, j'habitais une rue juste à côté. Quand je sortais de la rue, bah, je sortais comme ça, j'étais sur la Croisette. Voilà, ça remonte. Donc cette photo-là, alors elle a été développée en juillet 2007. Donc elle a été prise cette année-là, peut-être ce mois-là ou quelques mois avant, je ne sais plus. Donc voilà. Donc là, je vais changer. Range tes fesses. Je vais changer la direction de mon téléphone pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Alors, j'ai pris plein de choses parce que là, je ne suis pas dans ma pièce, je suis en bas, donc j'ai pris plein de choses. Je vais voir ce que je vais mettre. Donc, j'ai pris du papier comme ça, le bleu. J'ai pris des alphabets comme ça, les bleus aussi, puisque la photo est une tendance bleue, donc j'ai pris beaucoup de bleu. Je verrai après. J'ai pris du calque, peut-être que je vais l'utiliser. J'ai pris des chutes de papier bleu aussi, comme ça. Alors ça, c'était les papiers bleus de mon mariage l'année dernière, que j'avais fait mes faire-part, donc il m'en reste. Là, j'ai pris celui-là, mais je le trouve trop brillant, donc je ne vais peut-être pas l'utiliser. J'ai quand même pris du rose, avec des cœurs. Après, j'ai celle-là de page aussi, je vais voir. Donc là, c'est avec des carrés, de l'autre côté, c'est avec des petits points. Donc là, c'est une page quasi-art. Et les autres, les chutes, celle-là, c'était une chute de... Alors, basil, un papier basil. Donc celui-là, il y a un petit gaufrage dessus. Et après, j'ai celle-ci aussi. Donc c'est une quasi art aussi. Donc des étoiles d'un côté et des lignes comme ça de l'autre. Je verrai. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Hein. Ça va être à l'arrache, comme d'habitude. J'ai aussi sorti ces deux blocs-là. Voilà, celui-ci et celui-ci. Voilà, je vais voir si je vais m'en servir. Après, j'ai descendu aussi des tampons, pour, surtout pour m'en servir pour du fond. Donc, vous voyez un peu, peut-être celui-là, peut-être le I love you. Là, ça, je sais pas, non, celui-là, non. Là aussi, j'ai des fonds, j'ai un fond, puis peut-être les tiges, là, je vais voir. Et là, celui-là, je l'avais descendu, mais en fin de compte, je ne vais pas l'utiliser, c'est des notes de musique, donc non. J'ai pris ma Styson noire, des washi. Peut-être que je vais utiliser des perles. Peut-être que je vais utiliser.
Et voilà, et j'ai pris, alors je ne les ai encore jamais utilisés, je vous les avais montrés dans une vidéo. Donc là, j'ai descendu que ces deux couleurs-là. Donc c'est un peu plus vert, dans les tons vert bleu, ouais, vert. Et là, par contre, il y a du jaune, donc je vais peut-être utiliser celle-là, je vais voir. Pareil. Donc j'ai pris du papier de brouillon pour essayer avant, voir ce que je vais utiliser. Après, j'ai pris mon bâton de colle Cléopâtre. J'ai descendu un tube de colle comme ça. Alors cette colle-là, je vais la mettre dans le bon sens. Normalement, c'est de la colle à bijoux. Mais des fois, je l'utilise quand je fais des créas, parce que ça colle, comme j'ai descendu les perles, et que les perles, des fois, ça colle pas bien. Et ça, c'est une colle qui colle vraiment super bien. Voilà, je vous montre. Et donc ça, ça colle nickel. Hop. J'ai ma colle qui se barre. Fifi, la lampe. Et allez, va pas me la faire tomber. Descends. De toute façon, tu vas descendre après. Mon petit scalpel, les ciseaux, une plaque acrylique pour mes tampons, mon découpe papier. Bon, j'ai que celui-là pour l'instant. Il faut que quand je serai plus riche, je vais m'en acheter une bonne. J'ai pris mes feutres d'action, là, les gel pen. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Ça y est, je crois que c'est bon. Voilà, donc je vous ai montré tout le matériel que j'ai descendu pour faire ma page. Ah oui, puis j'ai pris ça. C'est des petites gommettes autocollantes pour coller les photos. Mais voilà. Donc ça, on les trouve à Action, hein, en rayon des cadres. Donc voilà, je vais changer donc la vous avez compris, hein? Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, je suis prête. Donc je vais d'abord m'occuper de ma photo, vous voyez, parce que là, elle va vraiment être un peu trop grande. Donc je vais la recadrer un peu. Hop, on va faire du bruit, hein. Déjà couper un petit peu en haut. On va pas trop couper le ciel bleu, hein, quand même. Ce serait dommage. Donc là, j'ai recoupé la photo. Elle est beaucoup plus petite, mais moi, ça me va. Voilà. Donc, je vais lui faire un encadrement, d'abord avec, alors je cherche avec quel papier, on va mater la photo, hein. Donc mater la photo, c'est ça, c'est mettre un papier en dessous et le laisser dépasser un petit peu, comme pour lui faire un petit cadre. Donc là, je peux utiliser, hein, ma Cléopâtre à la pâte solvant. Donc sur les photos, surtout, vous utilisez des colles sans solvant, hein. Bien dans les points. On prévoit un petit sopalin.
D'habitude, j'ai ma règle en fer, mais là, j'ai oublié en haut, donc c'est rien. Je vais prendre celle-là. Ce petit bout-là, on va le mettre là. Donc voilà, c'est ça mater une photo, vous voyez. Donc il reste un petit bord tout autour. Alors, oh, j'ai un chat dans la gorge, les filles. Donc je peux la remater une deuxième fois. C'est faire par une règle. Bon, par contre, si je coupais la queue à Fifi, là, je sais pas si vous la voyez, mais il y a sa queue qui qui traîne. Oh. Désolée, mais j'ai vraiment un chat à la gorge. Ah, j'ai oublié de prendre un crayon gris. Alors, un crayon gris, j'ai oublié. Je reviens. Là. Eh bien oui, regardez, il y a la queue à Fifi, là. Tant pis, hein, Fifi, si je coupe ta queue. Si maman, elle coupe ta queue... Tu te débrouilles. Fifi. Je vous jure, avec elle. Fifi, range ta queue, s'il te plaît. Mais, arrête. Comment voulez-vous que je travaille avec elle? Alors, je ne vais pas tout recouvrir, hein. Vous allez voir. Je veux juste voir jusqu'où je vais couper. Voilà. Bon, c'est vrai que ce coupe-papier me dépanne bien, mais alors il n'est pas du tout... Top, top. Hein. Ça fait quoi, 2 ans que je lis, je crois. Et je pense que les lames commencent aussi à s'émousser. Mais bon. Faute de grive, comme on dit. Donc voilà. Et la photo viendra là, c'est bon.
qui coupe comme ça, j'ai plus vite fait de le faire au ciseau. Voilà. Voilà, là c'est bon. Donc, je vais mettre du calque, j'avais dit. Je sais pas. Pas si je vais utiliser le calque. Alors pour l'instant, je vais déjà coller la bande bleue sur le rose. Alors là, j'ai pas ancré les bords de mes papiers exprès, souvent je le fais. Mais là, bon, je l'ai pas fait. On verra sur une prochaine photo. Petit bout qui est passé. Un petit peu de papier déchiré. Voilà, bon, pour l'instant, ça me va. Donc là, avant, je vais mettre cette feuille là de côté. Je vais faire un essai sur du brouillon. Je vais d'abord voir les couleurs. Ça c'est le jaune. Je ne vais pas jeter à mes brouillons, ne vous inquiétez pas. On ne va pas gaspiller le papier. Ça pourra me servir pour des cartes ou... Ah ben, je vais essayer avec du orange. Du jaune, ou alors avec celui-là. Ah. Je
là, il me fait des grosses bulles. Et j'en mets partout. Allez, de toute façon, ça va me servir. Je vous montrerai ce que j'en fais plus tard. Je vais essuyer la peinture. Heureusement, c'est de la peinture à l'eau. Hein. Alors, celle-là, non, elle est un peu... Je vais réessayer. Oh, elle me fait des grosses... C'est les grosses patouilles, celle-là. Je sais pas pourquoi. Oh, j'en ai partout, partout. Oh, j'en ai partout. Non, mais je crois que je vais faire le vert clair et le jaune. Ça, on va garder. Ça me servira. Alors, ce qu'il faut, c'est que je ne rate pas mon coup. Parce que là, je n'aurai pas le droit à deux essais. Il faut que ça sèche. Parce que je n'ai pas pris mon Top Gun. Mon séchoir. Donc pour l'instant, je vais laisser sécher. Voilà, j'essuie mes bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises. Mais... Je l'ai même mis sur ma caméra. Super. On va coller la photo déjà ici. Je la tremblote. Alors, on peut mettre ça
j'avais fait des petites marques avec mes doigts. Oui, c'est bon. Bon, ça, c'est pas encore sec, hein, les filles. Oui, je mets quand même du calque du coup. Alors ici pour le coller, j'espère que cette colle là on la voit. Ah non, ça va. Voilà, un petit bout de calque. Ah, là, je l'ai fait trop grand. On va couper un petit bout. Ça va, les filles? Thank you.
bien appuyer. Bon, le calque, c'est toujours un peu plus difficile. Hein. Donc, il faut bien insister pour que la colle tienne bien. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait avec le calque. Il en est là. Voilà, c'est sec. Voilà, après ça viendra là. Donc maintenant, avant de finir de coller, je vais commencer à faire mes fonds. Et les coussins à terre. Si on ne ramasse pas 20-30 fois les coussins par jour, je vous jure, on ne les ramasse pas une seule fois. Avec Géry, surtout Géry. Il adore mettre les coussins à terre. Heureusement, on voit que c'est un tampon, je ne me suis jamais servi. Il adore mettre les tampons à terre. Les tampons, n'importe quoi, la fille. Les coussins à terre, et puis il dort par terre avec les coussins. Et nous, on passe notre journée à ramasser les coussins. Bon, j'aurais dû prendre une plaque un peu plus petite, mais bon, ça fait rien. Alors, je vais déjà utiliser celle-là. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer sur une feuille de brouillon, voir ce que ça donne comme fond avant. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon, la Stazone. Oh là là, ça sent l'amande. Non, ça fait ça. Bon. Ça y est, Fifi est folle. Alors là, il va falloir que je fasse bien attention. Fifi, fais pas la fofolle. Bon, je vais coller ça maintenant.
Donc, maintenant. Donc là, je vais avoir besoin de ma règle pour aller bien droit. Et un petit E pour faire le mot famille. Donc j'avais un I love you tout à l'heure. Ah, il est là. Faire son embrouillon d'abord, pas faire de bêtises. Voilà ce que ça fait. C'est joli. Là-haut.
j'ai un doute. Je ne sais plus si on met un S à Cannes. J'ai habité 7 ans là-bas, je ne sais plus si on met un S. Bougez pas, je vérifie. Ah, je vous jure, hein, la mémoire. Oui, là, ça fait Cannes comme le canard. Hein. Bon. Je pense que ce sera tout. Elle est assez chargée. Donc, on va marquer en bas. Voilà, ça vous permet de faire votre petit texte. Voilà. Donc voilà. Ma page en Stoline, hein, donc en format A4. Bon. Donc ici, j'ai mis les petits noms. Alors attendez, je vais me lever pour voir si je vois. Vous voyez ? Voilà, réunion de famille en 2007, Cannes, la Côte d'Azur. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à la mettre dans la pochette. Ce que je vais faire après. Donc là, on n'a plus qu'à la ranger comme ceci. Voilà. Je vous remets droit avec la caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, on a fait cette petite page. Bon, elle est toute simple. Là, c'est vrai que bon, je n'avais pas tout sous mes mains. Bon, en fin de compte, je n'ai pas mis de perles. Que ça ferait trop. J'ai quand même réussi à mettre mes petits bouts de calque en haut, en bas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, bah dites-le moi. Si ça vous plaît pas, dites-le moi aussi. Hé, arrêtez de vous bagarrer. Oh, bien. Oh, hop, voilà. Oh, mais alors, c'est quoi ça? Ils se font mal. Viens, maman. Viens. Viens. Viens montrer que t'es beau. Hop là. Voilà. Les deux petits monstres. Mes deux monstres. Attendez, attendez, attendez. Hop, on va reculer un petit peu. Comme ça, on vous verra mieux. Ah, et ah non, eh ben tu descends.
Si tu fais le vilain, tu descends. Voilà. Oh. Non, tu as fait le vilain. Oh oui, il a fait le vilain avec toi. Ouais. Et là, il a été... je l'ai tendu. Je lui ai fait son petit toilettage. Et bon, il reste sa tête à faire. Oui, il en avait marre. Donc, la maman l'a dit, la tête, on la fera demain ou après-demain. Et maman l'a tendu les petits poils. Ah oui. Allez, je vais te descendre. Hop, laisse-le, hein. Pas bagarre. Non, mais pas chat. Pire que des gosses. Donc, je disais. Voilà. Donc, une page en Stoline. Donc, je vous rappelle, c'est une page en 4. Donc, je vous montre ce que c'est. Donc, c'est ça. Hein. Donc, c'est la version américaine. Mais en, c'est une version américaine du A4, hein, de la page de scrap. Donc, bon, moi, là, je l'ai fait fort coloré, hein, mais des fois, on peut faire beaucoup moins coloré. Voilà, j'ai pas envie de la faire comme ça. On verra bien. Je ferai les autres, comment je ferai. De toute façon, maintenant, il m'en reste 23 à faire. Voilà. Et là, bon, au moins, on peut, je vais en refaire une derrière. Voilà, parce qu'il y a encore une page derrière. Et, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ou... On verra. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi envie de faire du Project Life, des albums en Project Life, mais ça, bon, je verrai par la suite. Là, pour l'instant, je ne peux pas. Hein. Project Life, on ferait que j'achète d'abord les pochettes, le classeur, les cartes, les ceci, les cela. Donc, ça, ce sera dans un futur plus ou moins long, on verra. Pour l'instant, je vais rester classique, hein, je vais rester avec ça, le scrap normal et puis le scrap, l'album. Hein. Voilà. Et mes cartes. Donc voilà, vous voyez les échantillons que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, je vais les garder. Je ne vais pas les jeter. Hein. Je vais peut-être m'en resservir. Comme ça, ben, pour faire soit sur des cartes ou soit même sur des morceaux sur des pages de scrap. Je verrai bien. Donc voilà. Ben, ce que je voulais surtout aujourd'hui, c'était vous présenter ça. cette solution de page de scrap. Donc, en A4, donc le Stone Line. Comme ça, si vous ne connaissez pas, ben voilà, maintenant vous connaissez. Et on se retrouve, on va se retrouver donc très rapidement pour une nouvelle vidéo. En quoi, je ne sais pas encore. Demain, je vais vous faire une vidéo. Je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui, mais je vous la montrerai demain. D'une carte que j'ai reçue. Je vous ferai une vidéo en même temps, bah, certainement sur une technique que j'ai fait là, puis que c'est pas du coloriage, c'est autre chose. Donc je vous montrerai ça demain en même temps que la carte que j'ai reçue. Voilà. J'ai une oreille qui devient toute rouge à chaque fois, je sais pas pourquoi. Toujours la même quand je fais une vidéo, mais je crois que c'est ma branche de lunettes qui me sert. Mais bon, là, la semaine prochaine, j'ai mes nouvelles lunettes parce que là, je ne vois plus, pour ainsi dire, plus grand chose. Et donc, j'ai mes nouvelles lunettes la semaine prochaine, donc ils s'éteignent. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je vous mets en barre d'infos le lien pour trouver ces pages. Voilà. À très vite. Bisous, bisous. Bye, bye. Et faites-moi des pouces. Hein. J'ai pas beaucoup de poupousses. Allez, gros bisous.